notre nouveau style, on s'empare de la ville. Dans les parkings, sur les toits, on joue jour et nuit. Y'a les gars, y'a les filles, mon équipe c'est la team. Toujours prêt pour un nouveau défi. Dis donc, ils sont à fond sur leur technique. Et ça fait plusieurs jours déjà, non? Ouais, moi je suis sûre qu'il y a quelque chose entre eux. T'es prête, Zara? Allez, comme dans le manga. Aïe. Aïe. Ça va, Zara? Ouais, t'inquiète, j'en ai vu d'autres. Mais bon, on y est presque. Encore un petit effort et notre figure spéciale sera au point. Ok. Allez, on y va. Oui, on a réussi. Et nous, c'est pour de vrai. Ouais. Plutôt au point, leur technique. Carrément. Mais pourquoi ils s'entraînent avec une Del Toro? C'est quand même contre eux qu'on va jouer demain, non? T'as pas compris. Ils sont amoureux. Tiens. Merci. Au fait, tu as commencé le tome 2? Tu me le prêteras aussi? Bien sûr. Dès que je l'ai fini, je te le passe. Merci, Samy. Wow, j'adore les histoires d'amour. Bon, faut que j'y aille, Samy. À plus. Bah dis donc, ils ont pas l'air commodes, les Del Toro, aujourd'hui. On rejoint les autres. Dis, tu serais pas un peu amoureux de Zara, toi? N'importe quoi. On s'échange des mangas. On a les mêmes lectures, c'est tout. Hey! Les mêmes lectures, hein? Garde-moi ça! Et là, c'est quoi? Donne! Du calme! Tu sais, c'est pas la honte d'être amoureux. Mais je le suis pas, je vous dis! Oh, hey, c'est bon, là! Ça me donne une idée pour le match contre les Del Toro! Bon, tout le monde écoute! Le match Del Toro contre la team se jouera dans la galerie marchande au niveau -1. Luna de la team peut lancer le défi. Une fille de chaque équipe jouera le match avec l'équipe adverse. Je prends la place de Zara et elle prend la mienne. Hein? Mais c'est quoi ce délire? C'était ça ton idée? C'est quoi ce défi débile? Pas si débile. Deux amoureux super complices dans une équipe, ça crée des occasions en or. Amoureux? Qui est amoureux? De qui? Et de Buco? Ah, d'accord. Hé, Samy, tu nous avais caché ça. Je vois pas comment ça peut aider la team à gagner le match. Ben si, imagine, ils vont pas arrêter de s'embrasser dans les coins du terrain au lieu de jouer. Ah, y a pas que ça. Zara et Samy ont développé une technique d'attaque de leur manga. Et c'est méga efficace, de quoi faire gagner la team. Pas vrai, Samy? Ouais. Zara et Luna, êtes-vous prêtes à jouer le jeu? C'est-à-dire à tout donner pour l'équipe avec laquelle vous allez jouer. Bien sûr, c'est ça l'esprit du foot de rue extrême, non? Ok, défi validé. Ils ont pas l'air très commodes, tes frères. Si j'en avais qu'un encore. Zara, ça suffit, reviens ici tout de suite. Paul a validé le défi. Si vous refusez de le relever, c'est comme un forfait. C'est la team qui marque le point. Hein, Paul? Désolé les frangins, mais là, faut suivre les règles. Vous avez votre équipe et moi j'ai la mienne. Allez, entraînement pour tout le monde à la galerie marchande. La team au niveau -1. Les Del Toro au niveau 0. Alors, notre capitaine est amoureux. Non, mais c'est pas le moment de parler de ça. On doit aller s'entraîner. Je ne suis pas sûre que Luna ait eu une super idée là. J'ai l'impression que ça pose un problème à Samy. C'est quoi cette histoire? T'es amoureux de ma sœur? Laisse-moi tranquille. C'est toi qui vas laisser notre petite sœur tranquille, ok? Ouais, ça vaudrait mieux pour toi. Oh, mais j'y crois pas. Qu'est-ce que vous avez tous, là? Mais comment... Tu t'approches pas d'elle. On t'a à l'œil. Ouais. Laissez-moi passer. Et où tu crois que tu vas comme ça? On va te rattraper. Entendu ce qu'on t'a dit? Tu ne tournes pas autour de notre sœur, c'est tout!
Quoi? Tu peux pas nous échapper? Mais ça suffit, je vous dis que je suis pas amoureux d'elle. Ouais, bah t'as intérêt. De toute façon, comment je pourrais? Elle a les mêmes sourcils que vous, les mêmes cheveux en spaghetti, des gros yeux tout ronds. Elle est aussi moche que vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, je... Oh, Zara, je... Zara, attends! Oh non! T'as fait pleurer notre petite sœur! Tu vas pas t'en tirer comme ça! Personne n'a le droit de faire mal à notre petite sœur! Allez, attrapez! Reviens ici! Laissez, on le retrouvera! Zara! Eh oh! Zara! Où tu te caches? Allez, Zara! Allez, reviens! Allez, Zara, s'il te plaît, je suis désolé! Allez, Zara! Ah, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, les Del Toro? Bon, allez, on commence. Tant pis pour Samy, il nous rejoindra. Zara! 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 Hein? Ça va, Samy? Hein? Oui, oui. Zara, je te cherchais partout. Bah, tu vois, je suis là. Maintenant qu'on est au complet, on peut le commencer, cet entraînement? Ouais, c'est parti! Ça va chauffer! J'ai hâte de voir la super technique de Samy et Zara. Oui, mais en attendant, ils font de ses tronches. Eh ben, c'est pas trop tôt. Chez les Del Toro, on ne respecte pas les horaires. Ça fait une heure que je vous attends. On commence? Mais je fiche de moi ou quoi? Où est-ce que vous allez? On va s'entraîner au niveau moins un. Histoire de garder un œil sur Samy. Oh, mais je rêve. Bien, Greg. Relente, Zara, tu dois jouer le jeu. Si tu ne voulais pas changer d'équipe, il fallait refuser le défi. Si j'avais su, j'aurais refusé. Oui, bah c'est trop tard. Allez, on recommence. Inès? Et on essaye de jouer à une touche de balle. Sarah, je suis désolée pour tout à l'heure. Je pensais pas ce que pourtant, j'ai dit. Pourtant, de loin, ça avait l'air très sincère. Oh, c'est tes frères qui m'ont énervé. Et voilà. Et voilà. Et voilà, oh. C'est tout? Bah ouais, c'est tout. Je sais pas, moi. Bon, allez, tu le passes, le ballon. Tiens, le v'là. Aïe. Bon, vous arrêtez tous les deux? Bien fait. Yes, man! À quoi? Hé, hey, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, eux? Ça a l'air de chauffer avec Zara. Non, mais vous rigolez ou quoi? C'est ici que ça se passe. Qu'est-ce qu'il lui a encore fait, cet abruti de Samy? Je vais voir. Ça suffit. Oh. Zara est une grande fille, alors vous la laissez tranquille. Et nous, on s'entraîne sérieusement, d'accord? Pas question d'abandonner notre petite sœur avec ce minable de Samy. Surtout après ce qu'il a dit sur elle. S'il y a un souci avec Samy, Zara le réglera elle-même. C'est pas votre affaire. Et maintenant, on remonte s'entraîner au niveau zéro. Ou vous jouez sans moi et demain, vous êtes forfait. Rien à voir avec Zara. On vous laisse entraîner là pour pas être désavantagé. Parce que c'est là que le match aura lieu. C'est tout. Ok. Dribble. Trop Tu crois que je t'ai pas vu venir? Avec mes gros yeux tout ronds. Elle disait quoi, Luna, à propos de Samy et Zara? Bah, qu'ils étaient super complices et qu'ils avaient une technique d'attaque géniale. Et je crois que ce défi, c'était pas une super idée. On a un vrai problème. C'est clair, on a un gros problème même. Tu sais même pas garder ta balle, regarde. Ah ouais, t'es sûr? Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? Samy, Zara, mais arrêtez! Mais... Eh ben voilà, c'est malin. Mais ils cassent le matériel! Mais oh, c'est pas possible! C'est quoi le problème entre vous deux? Demande à Samy! Ce qu'il y a, c'est juste une Del Toro. Et elle est trop susceptible, c'est tout. Et puis ce défi, c'était une idée nulle. C'est toi qui es nul! Hé, hey, du calme. Il y a un match à jouer, alors faites un effort, d'accord? Allez, serrez-vous la main. Voilà. Hé, hey, oh, les petits là, il va falloir vous calmer. Non, mais ça va aller, Paul, ils ont fait la paix. Ah, bon, je préfère ça. Et pour la caméra, t'inquiète pas, elle est pas cassée, elle n'a rien. Ah. Oh, bah tout va bien alors. Samy, tu lui fais mal. Bon, ça suffit maintenant, tu arrêtes. Quoi? J'ai rien fait. Tiens. Aïe. À toi, attends. Samy, qu'est-ce qui te prend? C'est pas juste! C'est elle qui m'attaque et c'est sur moi que tout le monde tombe! Un peu tendu l'ambiance, vous trouvez pas? Zara, qu'est-ce qu'il y a? C'est encore Samy? Ça vous regarde pas! Laissez-moi tranquille! Bah, c'est ce qu'on appelle l'amour vache! Quoi? Ils sont amoureux? Ça m'étonnerait! Samy, où tu vas? Prendre l'air! Bon, ben là, c'est officiel. On est mal pour demain. À propos de demain, justement, si vous jouez le match, c'est plus prudent de jouer dans le parking.
Y a un problème? Apparemment. En fait, on n'a plus de capitaine et Zara, elle nous a lâchés. Bah, les deux amoureux n'ont pas arrêté de se battre et Sammy a fini par partir. Mais pourquoi? Il a dû se passer quelque chose. Oh, je suis désolée d'avoir choisi ce défi. C'est pas de ta faute. Tu pouvais pas savoir que ça tournerait comme ça. Ouais, on t'en veut pas. Pour l'instant. On t'en voudra peut-être demain quand on sera obligé de déclarer forfait. Oh là 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 là. Ah bah bravo, tu l'as vexé. Luna, attends. Bon, je rentre. Je vais essayer de parler à Sammy. J'aurais pas dû. Et hop! Essaye d'en faire autant! Ah ouais? Et ça, qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu crois que tu peux faire mieux? Un coup de chance! Demain, on a un match à jouer. Et ça n'a pas vraiment l'air d'être la bonne ambiance entre toi et Zara. Ouais, non, ça sera, c'est rien. Juste, j'ai dit qu'elle était moche avec des gros yeux tout ronds et qu'elle avait des cheveux en spaghetti. Waouh, tu lui as vraiment dit ça? Toi, tu sais parler aux filles au moins. Ouais, j'ai vraiment tout gâché. Et pourquoi tu lui as dit ça? Pour pas qu'on croie que je suis amoureux d'elle. Mais t'es amoureux d'elle ou pas? C'est plutôt agréable d'être amoureux, non? T'as déjà été amoureux, toi? Eh bien sûr, pas de quoi avoir honte. Ce que les autres pensent, tu t'en fiches. Mmh. De toute façon, c'est trop tard. Après ce que j'ai dit sur elle, Zara m'en voudra toute sa vie. Si elle éprouve les mêmes sentiments pour toi, elle te pardonnera. Sois juste sincère avec elle. Ah oui, tu crois? Et tu pourrais aller lui présenter des excuses. Elle va jamais m'écouter. Alors, il faudra insister. Et puis, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle est blessée. Peut-être qu'elle t'aime bien aussi. Ça vaut la peine de lui dire ce que tu as vraiment sur le cœur. Cool. Allez, un peu d'action. Bon, pour les conseils, t'es fort. Salut, pas bon. Mes questions jonglades. Salut, les garçons. J'aurais besoin d'une petite leçon. Ah ouais, je serais curieux de voir ça. La voilà. Salut, Zara. Tu sais, je crois que ce défi, ça a été la pire idée de toute ma vie. Je suis désolée. Tu pouvais pas savoir? Mes frères n'ont pas arrangé les choses. Ils sont pénibles des fois. Ils sont toujours sur ton dos comme ça? Ils s'inquiètent de ce qui est bien ou pas pour moi. Et là, ils ont décidé que Sammy n'était pas bien. Ils peuvent être contents. Ils ont ce qu'ils voulaient. Je le déteste. Dommage. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Il est super quand on est tous les deux. Mais dès qu'il y a du monde, c'est plus pareil. Il fait comme s'il ne me connaissait pas. Ah là, je te rassure, c'est classique chez les garçons. Ils pensent que c'est la honte d'avouer leurs sentiments devant les autres, alors ils font genre. Peut-être. Mais ce qu'il a dit sur moi, ça m'a fait mal. On sait que les Del Toro ont l'habitude de jouer en famille. Ça va les déstabiliser de jouer sans leur sœur, n'est-ce pas, Zara? Ça, c'est sûr. Alors il faut profiter de ça. Le parking est un terrain particulier. N'hésitez pas à vous servir des obstacles comme tremplin, à vous cacher derrière les piliers pour mieux réapparaître devant le but d'enclume. Servez-vous des ascenseurs à voiture pour masquer vos attaques. Bref, jouez de tout ce qui peut les déstabiliser encore plus. Ok. Et on joue collectif. L'enjeu est important, alors on met de côté ses problèmes personnels le temps du match. D'accord, vous deux? Ouais. La rencontre du jour se déroule donc dans le parking. Les buts de la team sont situés au niveau des portes de l'ascenseur, entre les escalators. Et ceux des Del Toro, à l'opposé. À l'entrée de droite, en bas de la rampe d'accès. C'est un match de foot de rue extrême, mais il y a des règles à respecter. Alors, pas de mauvais gestes sur le terrain. Pas question de me refaire ce que j'ai pu voir à l'entraînement. On est d'accord? Allez, engagement! Tiens, Zara, la passe! Oh non! Zara, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pour avoir fait pleurer notre petite sœur. Attention, Joey! Il est passé! Oh, 1-0 pour les Del Toro. À toi, Inès. Zara, la passe. Laisse tomber, c'est fermé. Mais passe. Non. 2-0. Vraiment, c'était pas une bonne idée de les faire jouer ensemble, ces deux-là.
C'est pas un problème de foot. C'est un problème de cœur, Paul. Alors c'est encore plus compliqué que ce que je pensais. Surtout quand les grands frères se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Vous en faites pas, on va rattraper tout ça. Inès, fonce! Samy, à toi! Passe à Zara! Pas besoin! Attrape! Merci pour la passe! Oh non, non, non! Oh non! 3 buts à rien pour les Del Toro! Mais qu'est-ce qui se passe avec les Del Toro? Je les ai jamais vus comme on ça. On dirait qu'ils prennent Samy pour un ballon. Ils jouent les grands frères protecteurs avec Zara. Quoi? Mais c'est n'importe quoi! Comme si c'était déjà pas assez compliqué entre Samy et Zara. Attention les Del Toro, pas de mauvais gestes. Écoute, je suis désolée. De quoi? Je voulais te dire que... Oui? Je... Enfin, tu vois, quoi. Tout à fait. Tu as dit que je ressemblais à un garçon. Que j'avais de gros yeux. Mais non. Que j'avais des cheveux en spaghetti et que j'étais moche. C'est pas vrai. T'es super jolie. Hein? C'est vrai? Non, tu le penses pas. Mais si. C'est ce que j'ai dit à tes frères que je pensais pas. J'allais pas leur dire que... Enfin, que tu... Que t'es cool, quoi. Oh. C'est vrai, tu trouves? Bah ouais. Samy, t'es avec nous? Carrément. Samy! T'inquiète, tout va bien, Zara. Nouveau but pour les Del Toro. Tu es sûr que tout va bien? 4-0 pour tes frères, ça va super. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout est possible. Essayez de tenir jusqu'à la mi-temps. Je m'en occupe. Laisse, c'est pour moi. Oui, Joey! Mi-temps! On a eu chaud. Bien joué, Joey. Il faut quand même pas marquer à chaque... Oh, oh, oh là là! Bruno, qu'est-ce qui te prend? Bah quoi? Je voulais juste marquer. C'est Samy qui s'est mis sur la trajectoire du ballon. Ouais, il l'a pas fait exprès. C'était la mi-temps. Genre, t'as pas entendu le coup de sifflet? Le coup de sifflet? Quel coup de sifflet? Vous êtes vraiment pénible. On t'a vu pleurer hier. Et c'est à cause de lui. Ouais, nous on doit te défendre. C'est mes affaires, ça vous regarde pas. Et je vous ai rien demandé. Nous, on laissera personne te faire du mal. On est là pour te protéger. Personne n'a le droit de te traiter comme ça. Ouais, on l'accepte pas. Ah ouais, alors montrez l'exemple et commencez par la respecter. Samy, ça va? T'inquiète pas, il est juste un peu sonné. T'es trop jolie. Oula, tu as vraiment dû recevoir un sacré coup sur la tête. Non, je suis sérieux. Tu veux bien de moi alors? Je veux dire, tu veux bien jouer la fin du match avec moi? Attention Bruno, c'est la deuxième fois que je te mets en garde. La prochaine fois, c'est l'expulsion. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Bruno est un joueur super fair play, hein Bruno? Ouais, bien sûr. D'accord, ça va pour cette fois, mais attention hein. Compris. Bon, on a 4 buts de retard. On va les rattraper. Avec Samy, on a une super technique. Hein, Samy? Prêt pour la deuxième mi-temps? Juste 2 secondes, j'ai une petite mise au point à faire. Vous me laissez tranquille, ok? Je ne vous ai rien demandé et j'en ai assez de toujours vous avoir sur le dos. On joue un match, je ne suis pas dans votre équipe. Alors vous jouez votre match et vous me laissez respirer. Et vous la laissez respirer avec moi. Dans mon équipe, je veux dire. Compris? J'ai... Wow, c'est trop chou. Ok, message reçu. Mais on t'a à l'œil. Oh, il peut pas s'en empêcher. 4 grands frères, c'est le cauchemar. Oh, tu m'étonnes. Prêt pour la deuxième mi-temps. Allez, on y va. Prêt, Zara? À fond. Ok, allez, on y va. Attention! Regardez bien! But de la team! 4-1! Allez-y, foncez! On peut encore les rattraper! Là! Vas-y, passe! Pipasse! Surprise! Oh, si malin! Inès! Oh, bon non!
4-2. Eh ben, ça va mieux, on dirait. Allez, on les écrase. Ouais, pas de pitié. Ouais. Tiens. Facile. Bien joué, Joey. Ouais, Joey, ouais. Avancez. Mais avancez quoi? Ouais, tu t'avances trop, mon pote. Oh, dégoûté. 4-3. Bon, ça suffit, on a été assez gentils. On se la joue méchant. Qu'est-ce que ça, 2 minutes. Excuse-moi, mon frangin. Je suis prête, Samy. Quand tu veux. Ils vont le refaire. Allez, allez. Pour ceux qui n'ont pas bien vu la première fois, attention devant. Égalisation, 4 partout, fin du match. Oh, j'en peux plus. Ouais, on est trop bons. 4 partout pour la team. Ouais, on est trop fort. On est les meilleurs. On a assuré. Vous n'avez pas gagné. Il y a match nul. Quoi. Ben oui, mais on revient de loin. Fallait le faire. Ça, c'est vrai. Au fait, tiens. Oh, c'est le tome 2. Oh, tu es trop mignon. Hé, qu'est-ce que vous regardez, là?